Ils sont une trentaine, des figurants castés la semaine dernière et retenus pour le téléfilm, une première pour la plupart. Alors cette journée est une vraie découverte. On va participer à quelque chose de la région et puis quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Donc oui, il y a un petit contentement, une petite fierté personnelle. Voilà. Pendant ce temps, les comédiens professionnels passent au maquillage. Dans quelques instants, ils vont se mettre en place. De leur côté, les techniciens sont en plein boulot. Le tournage se déroule dans une ruelle du quartier historique d'Utrecht. La réalisatrice donne ses consignes. Meurtre en Corrèze, première. Action aussi pour les figurants, ils ont été briefés. Ils sont policiers, scientifiques, simples badauds ou encore gendarmes. C'est le cas d'Audrey, la jeune femme n'en est pas à son premier tournage. Elle apprécie cette ambiance particulière. J'aime bien déjà rencontrer certains comédiens, voilà. Et puis quand on a des grosses équipes de figuration, comme ça c'est agréable aussi de rencontrer des gens. On passe des journées qui sont longues, donc d'être avec des gens sympathiques avec qui on peut discuter entre les prises, ça fait du bien aussi. Si Meurtre en Corrèze se déroule à Tulle, ce n'est pas un hasard. Le producteur est né à Naves, à quelques encablures. Aujourd'hui, pour lui, c'est un retour aux sources. Voir, au fond, les deux univers, l'univers de mes souvenirs d'enfance et l'univers de mon métier qui cohabitent, c'est effectivement une impression très, très étrange et en même temps, bien sûr, c'est beaucoup d'émotions, oui, bien sûr. Alors vous venez de le voir, le tournage ce matin a eu lieu dans une petite ruelle du quartier d'Utrecht. Cet après-midi, autre décor, toujours dans le même quartier, et toujours un lieu emblématique de la ville de Tulle, le musée du cloître. L'édifice gothique du XIIIe siècle sert de décor à une nouvelle scène. L'endroit est télégénique. Pour la réalisatrice, les lieux choisis pour le tournage coïncident avec l'esprit policier du téléfilm. On a écrit aussi en fonction des décors. On a un producteur qui est de Tulle, qui connaît très bien Tulle, le musée du cloître, la place de la cathédrale, les ruelles. Et ça a été écrit pour Tulle. Non, là, vous êtes près du plateau avec les comédiens. Nous retrouvons nos figurants. Ils ont endossé leur tenue de cérémonie. La scène se veut festive. Justine et Kevin ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils forment un binôme de journalistes. Bilan de leur journée. On ne pense pas qu'il y ait tout ça derrière, en fait. On ne s'en rend pas compte et ça fait bizarre de voir autant de monde autour de nous, en fin de compte, pendant la scène. Et au niveau du jeu, de votre rôle de figurant, c'était un peu tendu, vous aviez un peu peur, entre guillemets, ou pas? Non, pas vraiment. Ça s'est fait assez naturellement, finalement. Après Tulle, le tournage va se dérouler dans d'autres lieux de la Corrèze, comme par exemple Aubazine ou encore Userche. Un très bel éclairage pour la région.